Bonjour à tous. Exceptionnellement, aujourd'hui, dans le cadre du printemps de la petite enfance, le BD Appli sera filmé. Donc, je vais vous présenter une appli que vous avez déjà vue passer si vous suivez les publications sur les réseaux de BD Appli. C'est un coup de cœur que j'ai partagé avec vous le 12 janvier dernier pour l'appli O, l'appli de dessin animé. Donc cette appli, je vais vous la présenter, elle est particulièrement intéressante parce qu'à la base, elle est tirée de l'univers de cet album pop-up de Anouk Boisrobert et Louis Rigaud, « Oh mon chapeau », publié chez Helium depuis 2014. Donc « Oh mon chapeau », c'est une petite comète, que vous voyez ici, qui devient un chapeau et il s'envole. Et tout au long du livre, nous allons suivre le chapeau. Là, il est là. Voilà. Et en fait, les auteurs ont souhaité reprendre l'univers graphique de cet album pour créer l'appli de dessin animé que je vais vous présenter. Donc, je vais vous présenter l'appli que nous avons installée sur un des iPads de la BDA. Donc, la particularité, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, participer au financement de cette appli. À la base, elle est gratuite, mais vous avez également la possibilité de faire un don aux auteurs. Donc, vous retrouvez un écran avec une simple ligne d'horizon et sur les côtés, des petites gommettes de couleurs. Et donc, je ne l'ai pas précisé, mais cette appli est à partir de 2 ans. Donc, l'enfant viendra prendre les petites gommettes, les installer sur l'écran et les gommettes prendront vie. Et selon la disposition, elles changeront. Et donc là, nous sommes sur le bas de la ligne d'horizon. Si nous passons sur le haut, une nouvelle fois, les gommettes vont changer d'aspect. Et ainsi, vous allez pouvoir créer tout un univers qui reprend celui qu'on retrouve dans l'album « Oh mon chapeau ». C'est un plaisir de jouer avec les enfants parce que très vite, ils se rendent compte comment utiliser, ils vont tapoter, ils vont tester. Ils ne vont pas hésiter à jouer avec les formes, avec les couleurs. Et en plus, ça va très très vite d'utilisation, c'est très très simple. Donc pour les plus petits, où un temps d'écran doit être assez limité, c'est une appli parfaite. Et petit plus, regardez, si on change l'inclinaison, le paysage change. On a vraiment plein de possibilités. Hop. C'est vraiment un très bel outil de jeu et de partage parce qu'on peut jouer à plusieurs sur l'écran. Et quand le dessin nous plaît, pardon, hop, on peut le prendre en photo. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle plaira à vous, adultes, et aussi aux plus petits. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.